Bienvenue sur Thé Éternel, en ce jeudi 12, que demain c'est le vendredi 13. Bon, le jeudi, je le dis, hein. Arrêtez de déconner. Bon, aujourd'hui, c'est une belle journée. Ce matin, je suis allé à l'UDAF. Ah, elle est belle, Claire. Putain, elle a des jolis poumons. Dommage que les tatoués. Hein. Je serais bien allé visiter les visiteurs. Bon. Demain, vendredi 13. Oh là. Et l'après-midi, on a fait des jeux. Au Xapa, c'est sympa. J'espère que ça filme et que ça va marcher, parce que j'ai 4 films qui ont disparu, ça me gonfle. Ce soir, il n'y a pas de foot, et de toute façon, comme il n'y a rien à la télé, bonsoir, je vais me faire chier. Donc, je sais pas, je vais transborder le truc, je vais aller manger un brin. En ascendant la révolte. Réveillez-vous. Jeudi 12 juillet, de l'an de grâce du réveil de l'esprit de Man in Black 18. Je vais chercher le facteur. Le facteur chance, non. Il peut pas. Bon. Si, il peut pas. Fatigué sur Terre, putain. Qu'est-ce que ça me fait chier de redescendre tous les jours. Et le Xapa, c'est sympa. À la Gautner. Non. Il y a quand même un gros problème tactique. Il y a vraiment deux mondes. Télé mongole. Tu t'abrutis toute la journée devant la télé. Le pire, c'est pour les gosses et pour les vieux. Parce que les gosses, ils deviennent débiles et les vieux, ils finissent d'être débiles. Ça devrait être interdit. Je dis ça, c'est l'évangile selon moi-même. Pub de merde, machin tout le temps. Télé mongole. Ouais, avec le nouveau Colgate, je te déracine en 30 secondes. Moi, je me le fais moi-même. Je lui laisse croquerie du dentiste. Bon, de toute façon, on disait menteur comme un arracheur de dents. À l'époque, hein. Moi, un coup de gnôle et crac. Ouais. Serment d'hypocrate. Mais prêtez donc serre vrai. Soyez pour un gouverne vrai. Un discerne vrai. Un parle vrai. Je sais pas, faut arrêter là. Oh, arrêtez d'être con un peu quand même. Putain. Un troupeau de bœufs ou de brebis, quand même, qui soit, vous êtes dans l'abattoir. Là. Pourquoi vous vous réveillez pas? C'est de la merde ce monde de pognon là. C'est de la merde. Tout est bâti sur de la merde et de la barbarie. C'est ça le mal sur Terre. Mais à vitesse lumière, bande de connards. À vitesse lumière, on est déjà tous déjà morts. On est tous des revenants. C'est déjà fini, là. La Terre, même plus, elle existe, déjà. Le temps de chier un coup, c'est bon, il se passe 2000 ans. Alors, arrêtez de me faire chier. Comment tu veux que je te lise mieux, moi? Qui pourra leur dire? C'est comme les tourteaux qu'on respire. C'est ma grâce sanctifiante. En fait, je suis cancer, et quand les crabes ils arrivaient trop tard, je devais crever le cœur des tourteaux. Alors, t'enlèves la languette, tu mets un coup d'eau chasse. C'est moi, il y en a beaucoup qui se vident quand tu fais un trou. Bon. J'étais là, mais si je crève le Zodiac, je vais couler. Et moi, je veux pas couler. Il faudrait rendre le shit obligatoire et le pinard. Par contre, il faudrait interdire les cachetons, les neuroleptiques, les machins, psychotropes. C'est criminel, ça. C'est vous qui faites des tueurs.
tous les mecs, il y a un plan, il faudrait prise de sang. Qu'est-ce qu'il a pris comme bêta-bloquant? Qu'est-ce qu'il a pris comme machin? Est-ce qu'on l'a mis dans une cave pendant 3 semaines pour qu'il ferme sa gueule et que, hop, est-ce qu'on a reformaté du disque mou? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âme dans votre programme. Moi, je suis gardien de l'esprit. Je fêtais l'éternel, quand même. Je suis chef d'état d'âme. À l'école, j'étais chef de classe. Après, au boulot, j'étais chef du syndicat. Après, à feu vert, j'étais chef d'atelier. Et maintenant, je suis chef d'état d'âme et je vous emmerde. Enfin, faut pas le dire comme ça, parce que c'est pas poli. Bon, je vous adore. J'adore les bœufs. Bon, j'adore la bœuf plutôt.